12. Ya 12. Cho ya mwisho. Ya mwisho kisha tuombe. Ndio ndio. Eh mon Dieu. Seigneur Jésus. Bon, 12 kisha tuombe si vile? Ya 12 tumalizie pale. OK. 12 ça dit ceci. Ya 12 nasema. Les actions des pères. Les actions des pères de wababa. Matendo ya wababa ont des fois un risque sur les enfants. Ina kuwaka na matukio kwa watoto. Les pères wababa spirituels wa kiroho et charnels na wa kimwili. Ça la répercussion sur les enfants. Inaweza angukia watoto. Les enfants spirituels, watoto wa kiroho, et les enfants charnels. Na watoto wa kimwili. Mina maliza tunataka omba. Ndio. Si à la fin, nous voulons partir. Biblia inasema. La Bible dit ceci. Mimi ni Mungu ninayoapiza ubaya wa watoto mpaka kizazi cha 4. Moi je suis un Dieu qui paye le mal des enfants jusqu'à la 7e génération. 4e génération. Ça vous dit quoi? Inasema nini? Patrick Peferendega. Patrice anaweza kafanye mazara. Ses enfants subissent ça. Watoto wake wanapata. Leurs enfants subissent ça. Watoto wale watoto nao wanapata. Et leurs enfants subissent ça. Na watoto wa kizazi cha 4 wanapata. Si c'est le masi. Kama tu. Ils n'ont pas cru. Hawakuamini. Mais s'ils ont cru. Lakini kama waliamini. Ça coupe les liens de parenté. Na kata hiyo. Kamba. Ça le connecte à la parenté de Jésus. Inawaunganisha na ukoo wa Yesu. Toute la famille subira. Jama yote itapigwa. Sauf ceux qui ont cru. Isipokuwa wenye waliamini. Il faut toujours prier en disant ceci. Mwe mnaomba mkisema. Je t'ai cru. Nilikuamini. Tu m'as connecté à la connexion de la parenté de Jésus. Ukaniunganisha na ukoo wa Yesu. Les liens familiaux. Ile kifungo cha kijamii. Je coupe au nom de Jésus-Christ. Naikata kwa jina la Yesu. Makosa ya wazazi hufuata watoto mpaka kizazi cha 4 kama hawakuamini. Le faute des parents poursuit les enfants jusqu'à la 4e génération si et seulement s'ils n'ont pas cru. Na kuna vyenye watu wanakuwa kama wanasubiri mu maisha na bako mu makanisa. Il y a des choses que les gens subissent dans l'église. Dans des églises, état dans des églises. Kwa sababu hawakuamini vizuri. Parce qu'ils n'ont pas cru correctement. Amen. Amen. Et ça les saisit. Nani vya tate zabo. Ça venait de leur grand-père. Siku wameamini mzuri. Le jour où ils vont croire. Ile kamba inakatika. Le cordon va couper. Banaingia kuzao wa Yesu. Et ils deviennent. Na bamwele jama bote benye hawakuamini. Et tous ceux de cette famille qui n'ont pas seront en train d'en subir pendant que toi tu es exempté. Pourquoi? Parce que tu es sorti de cette génération charnelle pour entrer dans la génération de ceux qui ont reçu la nouvelle naissance. Donc, quand tu es né de nouveau, tu sors de la génération des générations qui peuvent subir le châtiment des parents. Tu deviens l'héritier de la nouvelle naissance. C'est paramétré comme ça. Dégâts des parents. Quatrième génération. Deuxième paramètre. Quand tu crois, unapoamini, tu es né de nouveau, ça déconnecte la génération. Ça te connecte à Jésus. Toi seul tu échappes. Tu entres dans le deuxième paramétrage. Ton frère, ta mère, ta grande sœur, tous tes familiers vont subir pendant que toi tu es dans la boue. Yako, yangu, wako, watapigwa wakati wewe umeponyoka. Même dans le spirituel. C'est là où je vais terminer. Nipale nataka malizia. Kuko kitu. Il y a une chose. Kuna mahuduma. Il y a des ministères. Inakuzala. Ndio. Des ministères qui te mettent au monde. Ana unazaliwa mu lignée fulani. Tu es entré dans une lignée. Munisikie. Écoutez-moi. Na kama mtataka niwape maandiko ndio wapatia. Et si je vais vous donner des écritures, je suis. Kuna mahuduma zenye toutes les fois que utazifuata utakuwa katua matatizo. Il y a des ministères que toutes les fois que tu seras en train de pousser ces ministères, tu auras toujours des ennuis.
Les dégâts, utazi hérité kiroho. Tu hériteras ces dégâts. Vile haya weza kapanda mwanga ya kiroho. Amen. N'a jamais monté dans le lieu. Na hakuna siku na utakaka kiroho, maana mwenye anakuzalia kiroho haya kuwaka wa kiroho. Amen. Tu monteras dans l'espace spirituel comme comme ton père spirituel n'a jamais été spirituel. Vile aliyekuzaa kiroho hayawahi kuwa wa kiroho. Tisibi aussi ce qu'il est. Na wewe unapokea kile alicho. Tu ne monteras jamais dans le spirituel parce que c'est lui qui t'a mis au monde spirituel et qui te dit que spirituel mais n'a jamais monté. Hautapandaka kiroho sababu mwenye alikuzalaka kiroho hakuna siku alipandaka muanga ya juu. Tu vas subir les conséquences de ses dégâts. Utapata kinyume ya madhara yake. Parce que sababu tu n'es d'une lignée de quelqu'un qui t'a amené à Christ. Unazaliwa muukoo ya mwenye alikuleta kwa Kristo. Tu vas vaincre l'adultère car c'est lui qui te prêche était un adultère. Utashinda uzinifu na usharati mwenye alikuzaa na haya ishindaka. Paul dit ceci. Paul anasema, soyez mes imitateurs. Muniige mimi. Comme moi je suis imitateur de Christ. Nilivyoiga Kristo. Maintenant si tu n'as pas un modèle à imiter. Sasa ukiwa hauna cha kuiga. Tu seras qui? Utakuwa nani? Suivez-moi. Munifuate. Comme moi aussi je suis Christ. Vile ninavyofuata. Maintenant si ton père spirituel ne suit pas Christ, sasa, tu vas suivre Christ. Baba yako wa kiroho asipofuata Kristo utafuataka nani sasa? La Bible dit, Biblia inasema, ayez le regard sur les gens qui ont bien travaillé. Mutazamie wale waliotumika vizuri. Et imitez leur foi. Alléluia. Namu ige imani ya o. Vous allez imiter la foi de qui que tu n'as jamais. Sasa utaiga imani ya nani ya mwenye hauya kwa kanani. C'est paramétré. Il chakapangwa. S'il n'a rien. Kama hana kitu. Tu n'as rien. Nawe hautapata kitu. S'il a quelque chose. Kama kuna chenye alifanya. Tu la reçois. Nawe utakipokea. Amen. Même dans le spirituel et le charnel. Hata namu kiroho vile namu kimwili. Fanya hange. Faites attention. Kuna il y a même des ministères. Que tu peux suivre. Tu ne seras jamais béni même dans ta vie. Tu ne seras jamais béni dans ta vie. Il est sous la malédiction, son ministère t'amène la malédiction. Faites attention. Paul dit ceci. Nous sommes pauvres. Mais nous enrichissons plusieurs. Tu kitajirisha watu wengi. Kuna na watu naweza fuata. Ndio ndio. Na hakuna chenye utajifaliaka mumaisha. Amen, amen. Et tu ne te seras jamais utile dans la vie. Mwengine unaona. Et pour un autre. Benye bali jikonekte kwaye. Ceux qui se sont connectés. Banaweza kutokuwa ba patro ba sana. Il peut ou ne pas être. Mais hakuna mwenye talala njala. Patro comme il faut. Mais personne. Amen, amen. Ne manquera pas à manger. Hakuna mwenye talala njala. Personne d'entre eux ne manquera pas. Na utende kunaona vile kila mwenye alimfuata. Et tu seras en train d'observer. Alienda iko nafanikiwa munjia moya wala nyingine. Alléluia. De prospérer du jour au lendemain. Na kila mtu atakuwa na historia kusema nilianzaka na niko hivi nikaona baraka hivi nikaona Mungu ananikumbuka kwa hiki na kwa hiki. Et chacun sera en train de se dire j'avais commencé comme ça, je suis abouti à ceci. Nous sommes pauvres mais nous enrichissons plusieurs, c'est-à-dire quoi? Tuko maskini lakini tukitajirisha watu wengi. Kuna na maisha madega unaweza kuwa mna itakukokotea matatizo kwa sababu na uhubiriwe kuiacha. Il y a une vie de dégâts que tu peux mener qui va t'attirer des ennuis parce que on ne te prêche pas d'abandonner ça. Mwengine modele ya maibada na mahubiri na neno mko mnakula inakutia mu mazingira yenye naweza kuacha utakuwa stable mu maisha. Alléluia. La manière dans laquelle vous êtes prêché, ça va t'aider à changer et améliorer ta condition de vie. Et c'est vrai, hein. Prions le Seigneur. Kwa hiyo tuombe Mungu.